Par ici, monsieur. Je vais prévenir madame. Qui je dois annoncer? Non, 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 non. C'est totalement inutile. Je ne sais pas si la madame l'acceptera. Vous êtes gentil, mon petit. Vous avez de beaux yeux noirs et de jolies dents. Mais ne discutez pas. J'attends madame. Que hombre. Pourtant, ça m'étonnerait que la madame l'accepte. Merci, Carmen, je vais voir. Non, 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 je n'ai pas besoin. Monsieur, vous avez insisté pour me parler. Excusez-moi, je suis très pressée. Oh, j'ai donc tellement changé. Pardon? Oui, je m'attendais à un accueil, sinon plus chaleureux, du moins plus affable. Si vous étiez vous-même plus précis, monsieur, qu'est-ce que vous vendez? Des brosses, des tapis, une assurance ou bien est-ce pour une quête? Je vous le répète, je suis très pressée. Voilà un jeu dangereux, Fabienne. Noël. Voilà. À la bonne heure. Eh oui, Noël. Un prénom que l'on savait si bien prononcer jadis. Noël. Noël. Qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Qu'est-ce que vous y cherchez? Vous? Ah, autrefois, on me disait tu. Autrefois n'existe plus. Pas sûr. Pas sûr du tout. Je comprends pas. Il faut décidément que je t'ouvre les yeux sur certains horizons que tu te refuses à regarder en face. Mais, tu permets que je m'assoie? Bon, merci. Non, non. Je ne prendrai rien. Quoique, un petit whisky. Sortez. Ah, plus tard. Avant, nous avons beaucoup de choses à mettre au point, Fabienne. Je m'appelle Madame de Mailly, vous avez tendance à l'oublier. Ah, moi, j'oublie rien du tout. C'est toi plutôt qui as tendance à effacer ce qui ne peut pas l'être. Ouais. Vois-tu, en dépit de toutes tes années, tu es restée Fabienne pour moi. Et tu le resteras même toujours. Quoi? Ça te choque décidément que je te tutoie? Hein? Bon, bon, ben, on te dira vous. Mais à condition que toi, tu retrouves la mémoire. Soit. Maintenant, je me rappelle l'existence de Noël Flavacourt. Mais vous auriez tort de vous en réjouir. Les images qui demeurent n'offrent rien de plaisant. Ce sont celles d'un individu menteur taré, vivant d'expédients, et toujours sous la menace d'ennui avec ses créanciers, sinon avec la justice. Oh, vous me peinez, ma pauvre Fabienne. Songez que vous avez une si piètre opinion du père de votre enfant. Vous êtes fou. En ai-je l'air? Si quelqu'un perd la tête ici, ce n'est pas moi. Vous avez une fille, Madame de Mailly. Une fille prénommée Marceline, née à Joigny, voici 11 ans. Exactement. Taisez-vous. Je vous interdis de continuer cette abominable comédie. Aucune comédie là-dedans. À moins que vous-même ne l'ayez jouée à l'époque. Ah, mais alors là, chapeau. Vous êtes terriblement habile et je m'y suis trompé. Oui. Noël, mon chéri, mon amour, hein, tu le disais, pardon, non, vous le disiez avec beaucoup d'expression, mais croyez-moi, comment imaginer que vous n'étiez pas sincère? Ça suffit, vous évoquez des heures que je ne cesse de regretter et qui sont effacées de ma vie. On n'est pas plus aimable. Enfin, c'est sans doute que je m'y serais mal pris à ce moment-là. Eh oui, ça ne paraît pas croyable. Dire que vous vouliez tout quitter pour me suivre. Oui, en effet. J'aurais été assez bête pour le faire. Je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux à temps. À temps? Tout est là. Je comprends mal les énigmes. Et puis, cessons, la bonne risque d'entendre. Mon mari va revenir d'un instant à l'autre. N'exagérons rien. Monsieur de Mailly est un homme méthodique et qui n'aime pas les encombrements. Il rentre donc chaque soir par le train qui quitte la gare Saint-Lazare à 19h07 et le dépose au Vésinet à 19h23. Je fais erreur? Vous êtes bien renseigné. Il le fallait pour que nous ayons cette conversation à cœur ouvert, vous et moi. J'ai donc calculé large. Nous avons encore 2 bonnes heures devant nous. Je ne tiens ni à vous voir, ni à vous parler. L'ingratitude féminine donne une idée de l'infini.
Mais peu importe. J'accepterai un pareil manque d'égard, de reconnaissance. Vous déraisonnez. S'il n'y avait pas Marceline... Je vous ai dit de laisser ma fille en dehors de cette discussion. Vous n'avez aucun droit sur elle. Vous en êtes sûr? Absolument. Marceline de Mailly n'est pas l'enfant d'un escroc. Stop, stop. Pas de grands mots avec moi. C'est du vieux théâtre que vous me servez là. Et dire que c'est avec des phrases du même tonneau que vous me juriez un amour éternel, que vous teniez à ce que nous fassions notre vie ensemble, à ce que nous élevions notre enfant ensemble. Ce n'est pas vrai, vous mentez. Ah, Fabienne, soyez raisonnable. Ayez un minimum de mémoire. J'étais folle. De toute façon, vous n'avez aucun droit sur Marceline, aucun. Parce que vous avez eu l'adresse de faire endosser sa naissance par un homme riche. Par un homme qui m'aimait et qui avait toute confiance en moi. Les maris sont des gens crédules. J'imagine que vous ne lui avez pas avoué vos escapades en ma compagnie, tandis qu'il faisait lui-même un voyage d'affaires aux États-Unis. Oh, vous êtes ignoble. N'insultez pas ce que vous avez adoré. D'ailleurs, à l'époque de notre belle aventure, vous n'avez pas gardé très longtemps vos illusions sur moi. Hein? Non? J'en ai eu assez de honte, je ne sais pas ce qui m'a prise. Ça a été une sorte de maladie. L'amour a ses raisons, paraît-il. Il n'en reste pas moins qu'à ce moment-là, ignoble ou pas, j'étais l'homme de votre vie. Et de surcroît, le père de cet enfant que vous attendiez. Non. Mais si. Que voulez-vous? Oui, 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 je vous connais, Noël. Vous aviez dressé un plan en venant ici une douzaine d'années après, alors que je vous ai effacé de mon souvenir. Pourtant, oui, parfois, je me rappelais, je portais la chose à votre crédit. Je me rappelais la manière dont vous aviez disparu sans un mot, sans aucune explication, et ensuite ce silence que vous aviez observé 12 ans. Alors, que demandez-vous? À exercer mes droits, tout simplement. Ah, cette fois, je vous retrouve. Mais vos droits sur qui? Là, je vous l'ai dit. Sur Marceline. Entre parenthèses, que je vous rafraîchisse la mémoire. Ce prénom, Marceline, c'est ensemble. Ensemble que nous l'avons choisi. Eh oui, Richard, si c'est un garçon. Marceline, si c'est une fille. Vous vous souvenez? Non. Ah, vous avez tort. Cela clarifierait la situation. Il n'y a rien à clarifier, puisque rien n'est compliqué. Vous ne possédez pas l'ombre d'un droit sur Marceline de Mailly, fille de Monsieur Antoine de Mailly. Si j'allais cependant la trouver... Vous oseriez? Vous êtes plus abject encore que je ne pensais. Je suis un père injustement privé de la tendresse de son enfant, voilà. Je vous tuerai. Mais non, vous en seriez incapable, ma pauvre Fabienne. D'ailleurs... Achevé. Quelle nouvelle ignominie avez-vous imaginée? Oh, le père de votre enfant. Comme vous me méconnaissez, Fabienne. Mais oui, j'étais naïf, je me figurais que vous montreriez un peu de compréhension pour des sentiments assez, comment dirais-je, assez légitimes. Mais je me disais aussi, il ne faut pas que cela lui cause le moindre désagrément dans son foyer. Oh, tout de même, vous ne seriez donc pas dénué de toute honnêteté? Non, vous voyez. Du moins, si vous m'en témoignez quelque gratitude. Oui. Parce que votre dureté, votre manière injurieuse de me rejeter loin de vous... Ah non, ça je ne pourrais pas le supporter. N'y comptez pas, Noël. Entre vous et moi, c'est fini, bien fini. Vous ne m'apprenez rien. Hélas. Allez-vous me laisser naufrager, comme ça, sans rien tenter pour moi? Qu'est-ce que vous méditez encore? Mais rien. Rien. Rien que de très normal. Surtout si je songe à vos promesses d'autrefois, à tout ce que vous m'avez écrit avec tant d'exaltation, de ferveur, de passion. Ah. Très bien. Je commence à voir clair. Combien? Pardon? Non, je vous en prie, la plaisanterie est désormais terminée. Pendant quelques instants, sotte que j'étais, j'ai cru à votre droiture. Le masque est tombé. Combien vous faut-il pour ne plus reparaître dans mon existence? Ah, chère Fabienne, je crains que vous n'ayez mal envisagé la situation. Oui. Je possède des lettres de vous. Non, mais j'avais compris. Sinon, vous n'auriez pas un sou de moi. Combien vous faut-il pour me restituer ces lettres? Vous souhaitez que je sois franc? Si la chose ne dépasse pas vos possibilités. Eh bien, je ne sais pas. Oh, si.
Je suis sincère. Je venais ici avec un espoir tellement différent. Je comptais... Fallait-il que je sois aveugle? Je comptais non sans doute sur des manifestations de tendresse, mais sur un accueil moins rébarbatif. Que vous vous montriez humaine et non hostile. Et vous me parlez grosse. Ah non, non pas cela, Fabienne, mais pas où, cela. Où allez-vous? Je dois réfléchir. Mais soyez tranquille, j'en reviendrai. Je vous le défends bien. À aucun prix, vous ne devez reparaître sous ce toit. Vous êtes dur. Vous êtes dur. Très dur, ma chérie. Taisez-vous ce mot dans votre bouche. C'est bon, c'est bon. Réfléchissez de votre côté. Et moi, je vous écrirai. Ah, surtout pas. Alors, je vous téléphonerai. Mais non, non, non. Monsieur Fabienne. D'une façon ou d'une autre, nous devons nous revoir, vous et moi. Alors, comme vous me défendez de revenir ou de vous écrire, je téléphone. Voilà. Inutile de me reconduire. Je connais le chemin maintenant. Dites-moi, vous habitez une bien jolie maison. Hein? Quelle tristesse il vous fallait l'abandonner. Bientôt. Mon Dieu, moi qui me croyais heureuse. Madame, qu'est-ce que c'est, Carmen? Pour le dîner, madame. Ah oui, vous avez raison, Carmen. Voyons, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à monsieur? Fabienne, tu as l'air soucieux, ma chérie. Pas le moins du monde. Pourquoi voudrais-tu, Antoine? Je me le demande. Pas de visite désagréable? Rien du tout. Non, ce serait plutôt l'absence de Marceline. La maison semble déserte. Oui, évidemment, comment priver sa grand-mère de la voir quelque temps, mais... Mais cela me fait drôle. Je me sens orpheline de ma fille. Veux-tu aller passer 2-3 jours avec ta mère et elle? Et toi, Antoine? Impossible, tu le sais bien. Je dois rester à Paris tant que notre contrat avec les Suisses n'est pas signé. Alors je ne te quitte pas, mon grand. Mais pourquoi me regardes-tu de la sorte? Sans doute parce que je t'aime. Aussi parce que je sens que tu es vraiment la compagne que je désirais. Inutile de te livrer le fond de ma pensée, tu devines sans phrase ce qui est en moi. Ça m'aurait ennuyé, je te l'avoue, si tu m'avais laissé seul ces jours-ci. Toi, tu as des ennuis? Non, non, pas à proprement parler. Mais cette affaire suisse n'avance pas comme je voudrais. À la fin d'une journée de discussion, d'atermoiement, je me sens vidé. Et quand je rentre le soir, j'ai besoin de ta présence, de ton sourire, de ta confiance. Eh bien, tu as tout cela. Oui. Oh non, je n'y suis pour personne. On demande la madame au téléphone. Le monsieur qui est venu hier, je crois. Dites que je suis sortie. S'il insiste, raccrochez, Carmen. Bien, madame. Ce marchand de tapis, j'ai eu tort de l'écouter 5 minutes hier. Impossible ensuite de me débarrasser de lui. Voilà qu'il me téléphone maintenant. Une vraie plaie. Une autre fois, expédie-le-moi. N'aie pas peur, je ne me laisserai plus faire. Carmen, il a compris, j'espère. Il n'a rien dit, madame. Simplement... Ah, très bien. Alors, non, n'y pense plus, chérie. Et montons-nous coucher. Moi, je suis mort. Mon mari travaille trop. Nous ferions mieux de prendre la voiture et de filer 8 jours à la campagne. Marceline serait aux anges. On y songera dans quelques semaines. Je te répète que mes Suisses sont coriaces. Tiens, dommage, je déjeune encore avec eux. Oh, un samedi? Il faut. Ne me dis pas que si tu faisais un petit effort... Fabienne. Oh, pardonne-moi, mon chéri. Au moins, tâche de rentrer vite. Juré. Pas plus tard que 4 heures. Thank you.
Allô, qui est là, voyons? C'est moi, Fabienne. Oui, moi. Noël. Vous êtes fou? C'est samedi, mon mari est rentré. Je raccroche. Ah, ne faites pas ça, hein, surtout pas. Mais il peut entendre. Nous avons deux appareils sur la même ligne. Ce ne sera pas long. J'ai réfléchi, Fabienne. Je vous attends. N'y comptez pas jamais. Mardi soir. Arrangez-vous. Non. Je vous remettrai vos lettres. Mais quel besoin avez-vous de me voir pour cela? C'est ma condition, ma chère. Vous avez été trop revêche l'autre jour. Donc à vous de venir. Mardi soir, après 10 heures. Je vous attends. Je n'irai pas. J'ai 7 lettres de vous, Fabienne. 7. Votre époux en recevra une chaque jour. À moins que... Mardi soir, rue du Cygne, numéro 19, au 6e étage. Ma carte est sur la porte. Vous ne pouvez pas vous tromper. Non. Mardi, 10h du soir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si j'avais un peu de courage. Fabienne, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu, Antoine? En bas. Je t'ai assoupi dans le jardin. Et en ouvrant les yeux, j'ai constaté que tu n'étais plus près de moi. Je descends, Antoine. Je te rejoins. Viens vite. Et apporte-moi un bar. Ces braves gens m'ont tellement fait parler. Angela, ne me demande rien, je ne peux pas te répondre. Simplement, rends-moi le service que je te demande. Tu es assez grande pour savoir où tu vas, Fabienne. Pourtant, je te crée casse-cou. Je te jure que c'est sérieux, on ne peut plus sérieux. Il me faut coûte que coûte effectuer une démarche qu'Antoine doit ignorer, c'est tout. Peut-être, mais suffisant pour t'attirer les pires ennuis. Allons, Fabienne, je pourrais te conseiller d'éviter une gaffe. Si je t'aide, c'est le moins que tu éclaires ma lanterne. Non, Angela... Tu es ma meilleure amie, la seule même. Voilà pourquoi je me suis tournée vers toi. Si tu estimes que ton devoir est de refuser, bien n'en parlons plus. Je ne refuse pas, je voudrais... Oh, c'est oui ou c'est non? C'est oui, bien entendu. Mais ne t'en prends qu'à toi si ensuite... J'ai tout calculé, donc. Convenu, demain soir, je viens chez toi. Si Antoine téléphone... Mais puisque nous serons soi-disant au théâtre, il n'aura aucune raison d'appeler ici. À toi de ton côté de ne pas répondre si le téléphone sonne. Oui, c'est agaçant, je sais, mais il le faut... D'ailleurs, j'en suis sûre, Antoine ne téléphonera pas. Parce qu'il a toute confiance en toi. Tu crois que c'est propre, ce que tu fais? J'en suis tout à fait sûre. À quelle heure serais-tu rentrée chez toi? Mettons minuit et demi avec le trajet jusqu'au Vésiné. Oh, ma petite Angela, tu es chic. Non, je suis idiote. Mais je t'aime bien et je veux me persuader que tu ne commets pas une bêtise irréparable. En tout cas, s'il y a la plus petite anicroche, le moindre changement, retard, tout ce que tu voudras, tu m'appelles. Je reprendrai la ligne à minuit juste. En cas de pépin, nous accorderons nos violons. Merci. Quand je pense qu'il m'arrive certains jours de regretter mon célibat, c'est pas le cas aujourd'hui. Dis, Fabienne. Oui? Après, quand ce sera rentré dans l'ordre, tu me raconteras. J'essaierai, je te le promets. Bon, au revoir. Demain soir, je penserai à toi. Fais attention, Fabienne. Je te le demande. Il y a Antoine, il y a ton foyer. Il y a Marceline. Si tu t'imagines que je les oublie. La porte, ma cocotte, c'est ouvert. Et referme derrière toi. Bonsoir, Fabienne. Mes lettres. Oh, ben on est pressé. Pas si vite. On va régler ça dans un instant. D'abord, assieds-toi.
Allez, fais pas ta mauvaise tête, ça n'arrange jamais les choses. Assieds-toi. Voilà. À la bonne heure. Je vous accorde 2 minutes, Noël. C'est déjà beaucoup si l'on songe qu'il s'agit tout simplement de cette lettre à me restituer, cette lettre qui m'appartienne. Juridiquement, je crains, ma chère, que tu ne fasses erreur. Mais nous n'en discuterons pas. Donne-moi mes lettres. Tu as un ton curieux, toi, ma petite. Hein? Est-ce que tu ne méditerais pas une bêtise? Ça ne serait ni sage ni gentil. Quoi que tu en penses, nous avons beaucoup de souvenirs, toi et moi. Et il ne faudrait pas... Allez, donne-moi ton sac. Allez, vite. Non, je ne veux pas. Non, la sonnerie. Ah, on est méchante, hein? Et on griffe son meilleur ami. Mais c'est pas bien, ça. Allez. Allez, reste ici. Je te défends de bouger. Ouais. C'est ce que ton attitude laissait supposer. On me rend visite avec un canon dans son sac à main. C'est pas joli, joli, ça. Tu sais qu'en étant quelqu'un, en lui fourrant une balle de 6,35 dans le buffet... Je m'en vais. Non. Moins que jamais. Il faut d'abord répondre à une petite question. Qu'est-ce que tu comptais faire avec ce joujou? Vous menacez si vous refusiez de me remettre mes lettres, comme vous vous y êtes engagé. Me menacer? Jusqu'à presser la gâchette. Oh. Je ne sais pas. Un bon point pour ta franchise. Et maintenant que l'artillerie est passée entre mes mains, qu'est-ce que tu fais? Hein? Noël, donnez-moi mes lettres. Ou si vous préférez, il n'y a qu'à les brûler là, devant vous et moi. Il y a une cheminée, profitons-en. Ces lettres peuvent causer tant de mal à des innocents. Ah, à mes yeux, elles représentent beaucoup. Oh, c'est bon. Si vous le voulez bien, Noël, cessez de jouer avec moi. Ce que vous voulez, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, dans mon sac, il n'y avait pas que ce lamentable petit revolver. Il y avait des billets. Ce que j'ai pu réunir, quelques bijoux également. Prenez tout. Prenez tout et rendez-moi mes lettres. Mais une minute! N'allons pas trop vite. Par bonté d'âme, je commence à me séparer de souvenirs très chers. Encore faut-il que j'y trouve une compensation. Vous me comprenez? Hélas, Noël, je n'avais aucune illusion sur vous. En venant à votre rendez-vous, je me doutais que tout cela finirait par un chantage. Le vilain mot. Enfin, il n'en rend les choses que plus faciles. Vous permettez par conséquent que je compte devant vous. Bien. Oui. Ah ben ça, c'est ennuyeux. C'est très ennuyeux. Quoi? Mais vous n'avez pas apporté assez, Fabienne. Je ne possède pas davantage. Alors je suis désolé. Impossible de traiter. Avec vous, du moins. Je n'en doute pas, monsieur... Monsieur de Mailly, votre époux, sera certainement plus compréhensif. Je vous interdis. Chut, chut, chut. Pas de ces termes entre nous, Fabienne. Tenez, je vais me montrer bon prince. Vous avez tout de même fait un petit effort. Je le récompenserai en vous remettant une lettre. Prenez-la. Elle vaut beaucoup plus, croyez-moi. C'est un cadeau que je vous fais. Tenez. Tenez, je la mets dans votre sac. Voilà. Allons. Dites merci au monsieur. Un être abominable, voilà ce que vous êtes. Pire encore que je n'imaginais. N'oubliez pas que je suis le père de Marceline. Je ne sais pas ce qui me retient. Moi, je le sais. C'est que vous n'avez plus d'armes dans votre joli sac. Voilà. Sinon, comme on ferait volontiers un carton sur ce brave Noël. Pam, 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 pam. Fini l'amant des jours heureux. On rafle les lettres et on sauve. Après quoi, on vivra une vieillesse heureuse et fortunée. Oh, j'ai honte pour vous, Fabienne. Tenez, vous pouvez filer, je ne vous retiens pas. Mes lettres! Elles sont à vendre. Prenez garde, Noël, vous ignorez de quoi je suis capable si vous me poussez à bout. Ah, tenez-vous tranquille, hein, Fabienne. Ou sinon, Fabienne! Fabienne! Tenez-vous tranquille! Thank you.
Monsieur, il n'attend pas la madame pour le petit déjeuner? Non, non, laissons-la dormir, Carmen. Hier soir, madame est sortie avec madame Damien. Mais te voici, Fabienne? T'as senti bon le café dans toute la maison. Buenos dias, Carmen. Bonjour, madame. Bonjour, mon chéri. Bonjour, toi. Mais pourquoi te lever? Je voulais petit déjeuner avec toi. Ça me fait plaisir, tu le sais. Tu dormais profondément quand je suis sorti de la chambre. Surtout après cette nuit où tu as été bien agité. De mauvais rêves? D'affreux cauchemars. Non, on n'y pense plus. Et bois ton café pendant qu'il est chaud. Antoine, tu es très gentil. Je le reconnais. Et pas jaloux. Tu ne me demandes même pas comment s'est passée ma soirée avec Angela. Bon, alors je te le demande. Surexcité à son habitude, la chère Angela, bavardant à tort et à travers, gênant les autres spectateurs et riant à contre-temps. Oui, comme toujours. Grand bien lui fasse. Seulement, je t'avoue, je comprends mal comment tu réussis à la supporter. Pour deux raisons. Nous sommes amis depuis si longtemps et elle est si bonne. Ça ne court pas les rues, la bonté. Les courriers, monsieur. Merci, Carmen. Et donnez les lettres à madame. Tu les tries, tu veux? Oui. Et moi, je jette un coup d'œil aux gazettes. Antoine, tu es souffrant? Moi? Et non, pourquoi? Tu es devenu blême tout à coup. Une mauvaise nouvelle sur le journal? Oh, penses-tu? Non, la bourse est excellente. Mais c'est drôle, brusquement tu as changé. Comme si quelque chose t'atteignait. Tu n'es pas malade, au moins. Ne joue pas avec ta santé, Antoine. Souviens-toi que nous sommes deux à avoir besoin de toi. Deux? Oui, ta fille et moi. Tu as raison, Fabienne. C'est stupide, un instant, j'ai oublié Marceline. Quand revient-elle déjà? La semaine prochaine. Pourvu que ta mère ne nous l'ait pas trop gâtée. Allons, à ce soir, mon chéri. Et surtout, ne te tracasse pas pour moi. Je vais me ménager, c'est promis. À ce soir, Antoine. Carmen, vous pouvez desservir le petit déjeuner. Tout de suite, madame. Non, laissez-moi le journal. Non, ce n'est pas possible. C'est moi. Non. Non, ça s'est passé comme je le prévoyais. Aucun ennui, sauf... Rien, simplement... Je voudrais te demander, Angela... Ne me questionne pas, je te dirai de vive voix. Quoi qu'il se passe, qui que ce soit qui te pose la question, nous ne nous sommes pas quittés hier soir. Pas un instant. N'essaie pas de comprendre. Fais ce que je te demande, c'est tout. Pas une minute, tu entends? Je ne me suis éloignée de toi jusqu'à... disons, minuit et demi, pour être sûre. Oui, je suis rentrée un peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a que cette idée qui domine. Toi seule, Angela, tu peux me sauver du pire. Madame de Mailly? Oui, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Ma domestique est espagnole, elle écorche les noms. Oh, aucune importance, madame. Vous êtes bien Fabienne de Mailly, épouse de monsieur Antoine de Mailly, le directeur général des comptoirs internationaux. En effet. Mais qui vous donne le droit de me questionner de la sorte? Voici ma carte, madame. Inspecteur principal Nessuno. Ah, vous êtes... Vous êtes la police. Eh oui, madame. Vous semblez assez médiocrement surprise. Oh, j'ai lu le journal hier matin. Ah. Hier soir et ce matin aussi,
Je m'étais résolue à venir vous trouver. Ah, et pourquoi ne pas l'avoir fait? Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on va confesser ses secrets à la police, avec tous les risques que cela peut entraîner dans votre existence. Qu'est-ce que vous aviez à m'apprendre? Comment m'avez-vous trouvé? Excusez-moi, madame, c'est moi qui pose les questions. Pour l'instant, répondez-moi. Connaissez-vous Noël Flavacourt? Oui. Et pas pour mon bonheur. Ne m'obligez pas à vous arracher les mots, madame. Parlez. Et même sans ordre, tel que les choses, les images vous reviennent. Oui, oui. Vous avez raison. Voilà, j'ai connu Noël il y a 12 ans. 12 ans. Mon mari était absent. Mmh. Un voyage d'affaires de plusieurs mois. Je me trouvais esselée. J'ai été idiote. Un coup de folie. Je dois continuer. Mais je vous en prie, s'il vous plaît. Je n'ai aucun motif de me montrer fière de cette période de ma vie. Depuis, j'ai payé, croyez-moi. Pourtant, peu à peu, ce passé s'éloignait. Je l'oubliais. Quand Noël a reparu, ça a été... Ça... Oh, il n'y a pas de mots. Est-ce qu'il vous a écrit? Trop rusé pour ça. Il s'est présenté ici, chez moi. À l'improviste. Auparavant, il avait fait une sorte d'enquête sur moi, sur les ressources de mon ménage. D'abord, bien entendu, il s'est contenté de jouer de la corde sensible. Je me suis défendue, je ne m'y suis pas laissée prendre. Alors il a abattu ses cartes. Il avait gardé plusieurs lettres. 7 lettres que je lui avais écrites au moment... Enfin, au moment de notre aventure. Oh, je vous dis, j'étais folle. Oh, 7 lettres. De quoi ruiner mon foyer. Vous l'avez payé pour les récupérer? Lors de sa visite ici, il n'a rien exigé. Il tenait à m'épouvanter. 2 jours, je suis restée sans nouvelles. Puis il a téléphoné. Il m'a fixé un rendez-vous chez lui pour le surlendemain. Est-ce que c'était chez lui? Oui, rue du Cygne, numéro 19. 19. Vous avez accepté ce rendez-vous? Ah non, bien entendu. Et pourtant, après 48 heures de débat avec moi-même, j'y suis allée. La suite, madame, s'il vous plaît. Bien. Il était là, paisible, railleur, sûr de lui, certain que j'allais accourir. Vous étiez armé, peut-être? Oui. Un de ces revolvers qui tiennent dans le sac d'une dame. Oh, je ne voulais que l'effrayer. Je me figurais qu'une menace de ce genre l'obligerait à réfléchir. Je n'ai pas eu la possibilité d'en esquisser le geste. Il m'a deviné, désarmé. Une idiote. Rassurez-vous, il ne risquait pas grand-chose. Un revolver chargé à blanc. Ah. Oui, le marchand a pris des précautions élémentaires. Nous avons retrouvé l'arme par terre dans le bureau. Je ne pouvais même pas le blesser par conséquent. Rien du tout. D'ailleurs, Noël Flavacourt n'a pas été tué d'une balle de revolver. Mais les journaux? Les journaux. Nous avons réussi à tenir ce détail secret. Flavacourt a été assommé au moyen d'un chandelier de bronze qui se trouvait sur la cheminée. Sans doute aviez-vous remarqué ce chandelier? Non, je ne me rappelle pas. Une femme qui se défend saisit le premier objet à portée de sa main. Un instinct la guide vers le plus maniable et le plus efficace. Parce que vous croyez... Oh, je ne crois rien, madame. Je vous écoute. Sachez-le donc, Noël a été abject. Ignoble. J'avais emporté un peu d'argent, des bijoux. Il les a acceptés, pour ne pas dire volés. En même temps, il me reprochait de n'avoir pas assez sur moi. Pas assez pour payer les 7 lettres. Alors devinez ce qu'il a fait? Il m'en a rendu une seule. Alors j'ai perdu la tête à ce moment-là, je me suis jetée sur lui. Il m'a bousculée, saisie au poignet. J'ai cru qu'il allait me précipiter par la fenêtre. Je me suis débattue. Je me suis sauvée comme une folle. Voilà. Voilà. Madame, j'admets votre thèse pour un instant. Vous aviez donc une lettre en repartant. Oui.
Et votre sac, où était-il? Précisément, Noël, il y avait glissé la lettre. Où étaient les 6 autres lorsque vous êtes parti? Il les avait posés devant lui sur la table. Sur la table, comme pour me narguer. J'ai essayé de m'en emparer, mais il me tenait bien, il me secouait, il m'insultait. Oh, je me suis sauvée, je vous le répète. Nous ne les avons pas retrouvés, ces 6 lettres. Ah? Oui, oui. Disparues, volatilisées. Vous voulez dire... Oh. Oh, moi qui avais un espoir, quand j'ai lu la nouvelle de sa mort, je me disais, la police aura remis la main sur mes lettres. Leur menace ne pèsera plus sur moi. Mais comment m'avez-vous découvert? Elle n'était signée que d'un prénom. Pour remonter jusqu'à vous, il aurait fallu pas mal de temps. Toutefois, Noël Flavacourt était un maître chanteur organisé, un fichier, des adresses, des notes qu'il jugeait sibyllines et que nous avons déchiffrées en 2 ou 3 heures. Et aussi, tenez-vous bien, des photocopies de tout ce qui pouvait lui servir dans son industrie. Il menaçait d'autres personnes que moi? Sans doute. Mais d'une part, si l'on en croit ses notes, vous étiez actuellement dans sa ligne de mire. D'autre part, vous êtes la seule à avoir été remarquée ce soir-là. J'ai 3 témoins. Une fille qui rondait dans les parages vous a vu arriver. Un commis qui se rendait au hall vous a vu partir en courant. Un employé du métro qui rentrait chez lui a vu votre voiture démarrer. Je vous jure que Noël vivait encore quand je l'ai quitté. Est-ce que vous êtes revenu chez vous immédiatement? Non, pas tout de suite. Vous savez, j'étais désemparée, alors j'ai roulé un moment pour me calmer avant de rentrer. Vous me croyez, monsieur? Ah, je serais assez tenté. Pourtant, il y a un détail, mon vieux. Si monsieur Demailly lisait ses lettres, elles ouvrent des horizons, disons, déplaisants. Madame, je vous prie de m'excuser, j'ai été dans l'obligation de lire les photocopies. Vous avez... Oui. Ah bon? Je n'avais pas très bien compris. Ah oui. Alors vous comptez les montrer à mon mari? Je n'en sais encore rien. Madame, nous allons nous résumer. Flavacourt vous fait chanter. Il en a le moyen avec ses 7 lettres de vous qu'il possède. Vous allez chez lui ce soir-là. Vous avez toute raison de le détester. Vous tenez à récupérer vos lettres et vous tentez de les lui arracher. Quand nous le découvrons, mort, ses lettres, enfin les originaux, ne sont nulle part, ni dans le bureau, ni dans aucune pièce de son appartement. Madame, je vous laisse le soin de conclure. Il les a peut-être cachés ailleurs? En pleine nuit? Oh, voyons. Il n'avait aucune raison de sortir pour aller les dissimuler, Dieu sait où. Et s'il a reçu une autre de ses victimes après ma visite, que s'est-il passé? Mais madame, nous nous occupons de tout le monde, croyez-le bien. Sans succès jusqu'ici, d'ailleurs. Sérieusement, pourquoi un autre aurait-il dérobé vos lettres? Un complice? Avez-vous trouvé trace de mon argent, de mes bijoux? Ah, un bon point, madame. À supposer que vous-même n'ayez pas repris votre bien après avoir éliminé le maître chanteur, c'était la moindre des précautions. Donc vous m'accusez? Ah, là encore, je vous dirais que je n'en sais rien. Monsieur l'inspecteur, vous avez lu ces lettres? Oui, madame. Vous savez par conséquent ce qu'il en est? Hélas, oui. Les divulguer serait la fin de mon ménage. Quant à Marceline, ma fille, je n'ose songer à elle. Est-ce là bien ce que vous souhaitez? Madame, il y a un coupable, je dois l'arrêter. Soit, arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Je ne me défendrai pas. Mais que ce soit sous un prétexte différent, j'écrirai d'autres lettres que je vous remettrai comme si vous les aviez saisies là-bas, des lettres que j'aurais adressées à Noël avant mon mariage. Ainsi, ni mon mari ni ma fille ne seront atteints. Enfin, moins atteints. Je le voudrais que je ne pourrais pas, madame. Ni mes hommes, ni moi ne trafiquons les preuves. Mais vous aurez une meurtrière, que vous faut-il de plus? Expliquez le geste de cette meurtrière. Vous serez sûrement acquis. Je m'en moque. Mais je ne compte pas, moi. Mais il y a Antoine, vous comprenez? Antoine qui a toute ma confiance, et encore lui. Mais Marceline, elle a 11 ans, monsieur l'inspecteur.
et vous lui feriez découvrir qu'elle est la fille de cet homme. Un homme que j'aurais tué. Et pour le moment, nous n'en sommes pas là. Ce que je vous demande, c'est de vous rappeler les moindres détails de la nuit d'avant-hier. Cherchez, fouillez dans votre mémoire. Avez-vous aperçu une silhouette dans les environs, dans l'escalier? Enfin, qui sait? Y avait-il quelqu'un d'autre dans l'appartement de Frédéricourt? Celui-ci a-t-il eu un geste, un regard qui vous aurait révélé la présence d'une tierce personne? Avez-vous entendu un bruit? Quand vous vous êtes sauvé, vous a-t-il suivi à la porte? A-t-il refermé derrière vous, à clé ou non? Tout, je veux que vous ne laissiez rien dans l'ombre de cette soirée. Madame, j'ai peut-être tort, mais je vous fais confiance. Au revoir, madame. Vous reviendrez? Préférez-vous aller au quai des Orfèvres? Ah non, si un journaliste me questionnait, je perdrais pied. Je n'en suis pas si sûr. Vous raisonnez avec beaucoup de lucidité pour quelqu'un qui est au comble de l'anxiété. En tout cas, n'oubliez pas, je continue l'enquête. Ne vous en prenez qu'à vous si vous tentiez une démarche qui vous placerait sur ma route. Madame, mes hommages. Allô, Angela? Fabienne, ça a été encore plus vite que je ne prévoyais. Je voudrais te voir. Bon, j'arrive. Angela. Je suis venue le plus vite possible. Installe-toi. Je voudrais te... Tu parleras lorsque tu seras un peu calme. Je suis calme, Angela. Et j'envisage les choses clairement, n'en doute pas. Tu as peut-être remarqué parmi les faits divers ce meurtre du côté des Halles. Oui. Eh bien, la victime, Noël Flavacourt, je l'ai connue autrefois. Connue très bien. Trop bien? Oui. J'aurais tout de même pu m'en parler. Entre amis. Je ne tenais pas à me souvenir. Et puis peu importe. Dis-toi simplement que c'est chez lui que je suis allée l'autre soir. Chez Noël, oui. Et la police me suspecte. Ils sont fous. Toi? J'avais les meilleures raisons de le supprimer. Il me faisait chanter. D'ailleurs, s'il ne s'était agi que de presser un bouton pour l'écarter de ma route d'une manière définitive, je n'aurais pas hésité, c'est probable. Mais cela ne s'est pas trouvé. Je ne l'ai pas tué. Ce type, il représentait vraiment un danger pour toi? Si Antoine lisait les lettres de moi que Noël avait en sa possession, adieu mon ménage. Adieu Marceline aussi. Ta fille? Oui, tu comprends maintenant. Je comprends que tu as bien fait de l'éliminer. Compte sur moi. Je jurerai sur tout ce qu'on voudra que nous sommes restés ensemble ce soir. Mais tu te feras arrêter pour faux témoignage, non? J'ai été aperçue par 3 personnes. Il y a sûrement un moyen. Je peux raconter que je t'attendais. Tu m'as tout raconté de A à Z. Que si tu avais abattu ce type, ou tu me l'aurais avoué, ou je l'aurais deviné tout de suite à ton attitude. Tu es chic, Angela, mais tu arriverais à te couper, non, vois-tu? Ce n'est pas de la police que j'ai peur, mais d'Antoine. Je ne veux pas qu'il sache à aucun prix. Et à toi de m'y aider. Comment? En soutenant envers et contre les preuves accumulées que tu as tout connu de ma vie, et cela depuis le temps où nous étions ensemble au lycée, que je n'ai jamais entretenu de liaison avec qui que ce soit, X, Y ou Noël, que s'il existe des lettres, la date en est apocryphe, que j'aime Antoine par-dessus tout et que Marceline est sa fille à lui. Tu veux, Angela? Oui, entendu. Mais la police, s'il établissait que tu es... Enfin, que tu as... Que j'ai tué Noël? Non. L'inspecteur a été compréhensif. Pour l'instant, il poursuit son enquête sans me mettre en cause. Seulement, s'il découvre autre chose, alors... Alors? Est-ce que tu te souviens encore de la faculté de droit? Oui. On nous a enseigné que la mort du coupable entraîne l'extinction de l'action publique. Le suicide? Plutôt que d'être poursuivi? Idiot! Ni Antoine ni Marceline ne doivent douter.
Si tu n'es pas disposée à m'aider, Angela, je réglerai la situation ce soir même. Qu'est-ce que tu décides? Même si je pouvais hésiter. Mais je t'en prie, Fabienne, ne me cache rien. Mes mensonges n'en auront que plus de sincérité. Ce salaud, tu lui as réglé son compte. Crois ce que tu voudras, Angela. Très bien. Je saurai le convaincre, ton Antoine. Rentre vite chez toi, maintenant. Tu dois t'y trouver à son retour. Bonne journée, Fabienne. Comme d'habitude, et toi, Antoine? Comme d'habitude aussi. Et pourtant, j'ai aussi une visite peu banale. Un inspecteur de police, figure-toi. Tu as récolté un procès verbal? Non, pas le moins du monde. Il s'agit d'un personnage assez singulier, un nommé Flacourt. Flavacourt. La police fait une enquête à son sujet et on aurait trouvé mon nom parmi ses papiers. On se demandait s'il ne m'aurait pas plus ou moins fait chanter. Mais pourquoi, à quel sujet? Bah, va t'en savoir. Je n'ai jamais entendu parler de ce Flavacourt. C'est tout ce que j'ai pu répondre à l'inspecteur. Enfin, je ne comprends pas. Comment imaginer que toi, tu sois victime d'un chantage, toi? Oh, mon chéri. Bon, dans les affaires, on se crée plus ou moins des ennemis personnels. Ils l'ont trouvé las des gens trop heureux de vous susciter des ennuis. Il existe même des officines spécialisées, des torchons confidentiels. Non, rassure-toi, ça ne va jamais très loin. Tout de même, cet individu n'avait pas essayé d'entrer en rapport avec toi? Mais non, je te le répète. À moins que... Toi, Fabienne? Moi? Oh... Non, pas davantage. Ah, je t'en prie, mon chéri, n'hésite pas. Si une Carmen renvoyée ou un voisin mauvais coucheur s'amusait à ce petit jeu, tu m'alertes tout de suite. Je passe un coup de fil à la police et c'est terminé. Sois tranquille, Antoine. Je ne l'oublierai pas. Il y a quelqu'un? Oui, un instant. J'arrive. Madame de Mailly? Oui, c'est moi. J'ai quelque chose à vous dire. Oui, bien, je vous écoute. Bah, pas comme ça, dans la rue, à travers la grille. Je peux entrer, non? J'ai pas le choléra. Bon, venez. Suivez-moi. Dans le salon, cela vous satisfait-il? Ça dépend plutôt de vous. Ce que j'ai à vous dire, c'est confidentiel. Après tout, laissez la fenêtre ouverte. Vous finiriez par m'inquiéter. C'est pour moi. Histoire de vérifier si quelqu'un arrive par le jardin. Vous êtes bien madame Fabienne de Mailly? Oui. Et vous, mademoiselle ou madame? Aucune importance. Je m'appelle Olga. Excusez-moi, mademoiselle Olga... Est-ce que vous ne feriez pas erreur? Noël était mon ami. Ah. Continuez, mademoiselle. Je préfère ne pas discuter. Ça vaut mieux aller. Parce que figurez-vous, Noël n'avait aucun secret pour moi. Un drôle de phénomène, Noël. Pas un comme lui pour renifler les affaires intéressantes. En général, on travaillait en équipe, lui et moi. Les constats d'adultère, les week-ends qui se terminent avec l'apparition d'un mari... Enfin, d'un pseudo-mari. Plutôt que d'avoir un scandale chez eux, des histoires avec leurs légitimes, les hommes payent aussi sec. Surtout quand on est président-directeur général. Vous voyez le travail, je suppose. C'est mal, mademoiselle, ne m'en veuillez pas. Tant pis. Je continue tout de même. Peut-être vous ne le saviez pas, Noël, c'était le maniaque des dossiers, des fiches. Il ne laissait rien au hasard. Ainsi, vous... Moi? Vous aviez votre fiche. Ah, pas possible. Oui! Et pleine d'intérêt, je vous prie de le croire. Remarquez, moi j'avais conseillé à Noël, laisse tomber la dame, c'est trop risqué, tu ramasseras sûrement des ennuis, sinon de mauvais coups. Vous voyez, ça n'a pas manqué. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Pour rien, pour cette raison que je n'ai pas encore saisi où vous voulez en venir. Eh ben, avec vous, faut mettre les points sur les i et les barres au t. Eh ben, allons-y.
Noël vous a joué un petit air de sa composition, où vous lui rachetez ses lettres, où il demande l'argent à votre mari. Sincèrement, l'affaire était boiteuse. Je lui ai dit, et pas une comme moi pour sentir le vent. Mais Noël, c'était le genre obstiné. Pas besoin de continuer, non? Au contraire, vous me passionnez. Vous vous fichez de moi, ma petite dame. Vous êtes venue ce soir-là chez Noël. Vous avez refusé de lui payer ce qu'il réclamait. Il vous fallait pourtant récupérer vos lettres. Alors vous l'avez frappé avec le premier objet à votre portée. Cette espèce de chandelier ridicule qu'il gardait sur sa cheminée. C'est lourd, le bronze. Vous avez terminé? Pas tout à fait. J'étais l'amie de Noël. Et je suis prête à prendre son relais auprès de votre époux. À moins que je ne vous verse de l'argent. Vous l'avez dit. Ça ne me fera pas revenir Noël, mais ce sera une compensation. Ah, vous avez une jolie maison, là. Votre mari se remplit les poches, paraît-il. C'est justice qu'en souvenir de Noël, vous fassiez un effort à mon bénéfice. Supposons que je ne paie pas. Vous allez raconter votre histoire à mon mari, mmh. Après. Comment après? Ça le secoura salement, cet homme. Il n'est pas facile en affaire, mmh. Je vous le signale. Et encore plus dans une affaire comme celle-ci. Ah, écrasez un peu, hein, s'il vous plaît. On vous a vu ce soir-là quand vous êtes arrivé chez Noël. Et ensuite, quand vous vous êtes sauvée en courant comme une folle. Parfaitement, on vous a vu. Une copine à moi. Vous figurez donc que Monsieur de Mailly ajoutera foi au racontard d'une copine à vous. Il y a les papiers aussi. Vous n'avez pas entendu du bruit par là? Non, nous sommes seuls, vous l'avez bien vu. C'est le jour de sortie de la bonne. Dites-moi plutôt de quel papier s'agit-il? Oh zut, là. Je vous garantis, moi, que je saurai le persuader, Monsieur de Mailly. Ça m'étonnerait. Ah, Monsieur l'inspecteur, mais comment êtes-vous entré? Mais par la porte de la grille, madame, comme tout le monde. Assez discrètement, je l'avoue. Je tenais beaucoup à écouter ta conversation, mon gars. Il m'a suffi de me glisser dans la maison. Alors vous me suiviez? Tout juste, Olga. Mais pourquoi? Je vous ai raconté ce que je savais? Ah, pas exactement. D'accord. D'accord, j'étais au courant du trafic de Noël. Mais j'ai rien fait, quoi. Oh, c'est parce que je suis venue ici. C'est pas normal. Me v'là comme veuve par la faute de cette Fabienne. Je lui demande une petite indemnité, c'est correct. Je pourrais même m'adresser au tribunal. Un faux ménage, ça donne des droits. Sans Noël, qu'est-ce que je deviens, moi? Oh, tu te débrouilleras bien, bah, j'en suis certain. On voit bien que c'est pas vous. Elle n'est pas bientôt terminée, cette comédie. Mais où elle est, la comédie? Je suis à bavarder avec la dame, c'est permis? Bavarder, oui. Faire chanter, non. Je l'ai pas fait chanter. Ah, j'en suis moins sûr que toi, Olga. Nous te surveillons depuis le meurtre, tu sais. T'as eu la main lourde, ma fille. Oh, doucement, doucement, monsieur l'inspecteur, faut pas dérailler. Dis-moi, t'as effectué quelques emplettes ces jours derniers. Un héritage? Mais les courtines, qu'est-ce que vous en faites? J'ai touché un tiercé. Ah, curieux, ça. Un de mes hommes t'a entendu te plaindre au bistrot. Pas un gagnant depuis 2 semaines. Vous avez des oreilles partout, vous. Bah, faut ça. Surtout quand il y a eu un meurtre. Allez, allez, Olga, t'es fabriqué. T'auras des excuses. Ce soir-là, t'es arrivé après Madame Dumailly chez Flavacourt. Il venait d'encaisser un peu d'argent. Il a refusé de t'en donner une part. Tu t'es fâché. Un peu d'argent? Rien du tout, oui. Quelques billets, tout juste s'il m'a pu les 50 000 francs. Des anciens. Et contre quoi, je vous le demande? Les 7 lettres de madame. 7 lettres qui valaient de l'or. Ah, j'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit son fait à Noël, qu'il était ainsi, ainsa, que sûrement il avait joué les grands seigneurs avec la dame, et que je lui permettrais pas de me plaquer pour elle. De là, à se dire des mots, il y avait pas loin. Alors il m'a expédié une mandale. J'aime pas être battue! Vous voyez la suite. Légitime défense, quoi. T'expliqueras ça aux jurés. S'ils sont de bonne humeur, peut-être qu'ils croiront. Je vous jure. Je vous le jure. Je voulais pas tuer Noël. Mais je te crois, Olga. Et pour vous, madame, le cauchemar est fini. Je voudrais en être certaine. Olga aura tout intérêt à parler le moins possible. N'est-ce pas, Olga? J'arrangerai le coup, madame. Soyez tranquille. Mais pourquoi êtes-vous venue, mademoiselle? Pourquoi me menacer, puisque... Puisque c'était moi. Vous êtes naïve. C'est une façon de vous placer entre la police et moi. Un paravent, quoi. On n'irait pas me soupçonner si j'avais le culot de vous accuser. Sans compter que si je pouvais récupérer quelque chose... Vous avez eu vos lettres pour rien. Ma pauvre Olga, c'est toi qui es naïve. Dès le début de l'enquête, nous avons été sûrs. Mais on attendait que tu aies additionné quelques bourdes. De venir chez madame, par exemple. Vous êtes de belles rosses, vous autres, les poulets. Bon, allez, ça suffit maintenant, on s'en va.
Madame Demailly a besoin de calme. Un instant, monsieur l'inspecteur. Mademoiselle soutient... Enfin, que je me suis mise d'accord avec Noël. Je ne comprends pas. Faites un petit effort, madame. Allez, Olga. Ah! Antoine, mon chéri, j'ai quelque chose à te demander. Cela va te paraître étonnant. Je n'ai pas envie de te l'accorder. Oh, cependant... Non, Fabienne. Dans la vie, et surtout dans la vie d'un couple, il y a des minutes où le silence est préférable. Je ne pourrais pas le supporter. Écoute, après tu décideras. Cet après-midi, une femme s'est présentée à la maison, une certaine Olga, qui se prétendait l'amie de ce Noël Flavacourt à propos duquel la police l'a questionné. Fabienne, si nous écartions cette histoire une fois pour toutes, elle n'offre aucun intérêt. Tu es allé là-bas ce soir-là, n'est-ce pas? Tu as vu cet homme, tu lui as parlé. Puisque tu y tiens, soit. Le hasard, je te le garantis, m'a fait entendre votre conversation au téléphone quand cet homme te menaçait. Que devais-je faire puisque tu jugeais à propos de me laisser de côté? Je n'allais pourtant pas demeurer tranquillement à l'abri alors que tu acceptais tant de risques. Et en somme, pour me défendre, moi... Tu m'as suivi? Il m'avait indiqué l'adresse, je n'ai eu qu'à attendre dans les parages. Je me doutais que tu allais lui dire son fait, rejeter ses exigences. Mais ces gens-là sont des têtus, ils reviennent à la charge. Ils empoisonnent une existence. Alors, lorsque tu es reparti, j'y suis allé à mon tour. Et tu l'as payé, n'est-ce pas? On ne paye jamais en pareil cas. On doit être plus fort que l'autre. J'étais armé. Et il a eu peur. Et les lettres? Ah oui, les lettres. Bon, je les ai brûlées. Sans les lire? Pourquoi les aurais-je lues, Fabienne? J'ai confiance en toi. Précisément, tu dois donc savoir... Non, je t'en prie. Tu le regretterais ensuite. Notre vie est ailleurs, dans ce qui nous unit, dans les heures que nous avons passées ensemble au chevet de Marceline. À propos, j'ai reçu un coup de téléphone de ta mère. La petite en a assez d'être loin de nous deux. Elle rentre demain matin. Oh, Antoine, tu es... Le père de notre enfant, Fabienne, et c'est cela seul qui compte. Ah, j'oubliais, j'ai profité de ma visite là-bas pour récupérer aussi tes bijoux. Et voici.